Kristalina Georgieva vient de prendre ses fonctions comme nouvelle dirigeante du Fonds monétaire international. Elle vient de la Banque mondiale et elle remplace Christine Lagarde qui, elle, part à la Banque centrale européenne. Son profil est un petit peu atypique. Pourquoi ? De un, c'est la première dirigeante du FMI à venir d'un pays émergent, la Bulgarie. Ensuite, son expertise se trouve dans les problèmes de pauvreté, d'inégalité, de changement climatique et des droits de la femme. Elle se rend compte qu'elle vient au FMI à un moment difficile pour l'économie globale et que sa tâche va devoir être de s'assurer que les pays membres sont prêts à faire face à de nouvelles turbulences économiques. Sa première tâche sera de s'occuper de la crise argentine et de la dette de 57 milliards de dollars que l'Argentine a envers le FMI. À quoi peut-on s'attendre pour le futur? C'est difficile à dire, mais en tout cas, ces nouvelles politiques seront plus sociales, environnementales et axées sur l'égalité entre les sexes.